Ça y est, le tabou est brisé. Tant de mois, les comptes épargne des professionnels ne rapporteront plus rien chez KBC. La banque renonce aux comptes réglementés pour ces clients-là. Elle ne sera donc plus tenue de respecter le taux d'intérêt minimum de 0,11% fixé par la loi. C'est une première en Belgique. Comme institution financière, que ce soit KBC ou une autre en Belgique, nous ne sommes pas dans l'obligation d'offrir des comptes d'épargne réglementés à des clients, des personnes, des entités juridiques, je dirais. Nous ne sommes pas obligés de le faire. Donc ce que nous faisons aujourd'hui est parfaitement légal. En cause, la politique de taux d'intérêt négatif menée par la Banque Centrale Européenne depuis 2 ans pour relancer le crédit. Les banques ne peuvent pas en même temps subir un taux d'intérêt négatif sur leurs placements et payer un taux d'intérêt positif à leurs clients. Donc je crois que inéluctablement, et je le dis depuis des mois, les banques vont être forcées de commencer à réduire la rémunération des carnets de dépôt. C'est politiquement très sensible, mais ce n'est qu'une question de logique financière. La rémunération pourrait même devenir négative chez KBC ou ailleurs. D'après Bruno Coleman, d'autres banques devraient en effet suivre la même voie, touchant de plus en plus d'entreprises. Si une entreprise a un surplus de trésorerie, c'est que c'est bien un surplus de trésorerie. Il n'y a pas d'autre affectation. Une entreprise ne va pas investir à long terme, que ce soit en bourse ou en obligation, de l'argent qui est destiné normalement à être utilisé à court terme. Donc finalement, il n'y a pas beaucoup de choix. Les entreprises vont subir ce taux d'intérêt négatif. Chez KBC, seuls 3% des comptes épargne sont affectés par la mesure. Les particuliers ne sont pas concernés, en tout cas a priori, puisque la loi impose une rémunération minimum de 0,11% pour les comptes réglementés. Il faudra changer la loi, ce sera peut-être le cas, on verra bien. Mais en tout cas, ce débat doit être lancé. On ne peut pas en faire l'économie parce qu'on est dans une logique économique qui est inconnue. Le ministre des Finances examinerait les pistes pour garantir juridiquement ces 0,11% pour les particuliers. Au mois de juin, 264 milliards d'euros dormaient sur les comptes épargne belges, un record.